Dis, ah ouais, tu veux monter sur le bateau? T'as pas le mal de mer? Quelques jours du départ de la route du Rhum, je me sens de plus en plus prêt. J'espère faire la traversée. Le premier a mis 16 jours il y a 4 ans. Je pense qu'on sera dans ces temps-là, mais après ça dépend surtout de la météo. Là, on vient de baptiser le bateau aujourd'hui, donc c'est une grosse étape, ça s'est bien passé. J'ai une marraine et un parrain exceptionnels, ça ne peut qu'aller mieux après tout ça. On va vraiment commencer à rentrer dans la course là maintenant et on va tout donner le dimanche 6 novembre pour pouvoir mettre le plus de bateaux derrière nous avec Captain Alternance. Je voulais faire un clin d'œil aussi à la région Guadeloupe, remercier de me soutenir dans ce super projet, de soutenir les skippers guadeloupéens. Chacun d'entre nous sommes des exemples aussi pour la jeunesse guadeloupéenne. On est entouré d'eau, il faut s'approprier le littoral. Et j'espère bien que ça puisse toucher les mentalités, cette route du Rhum, ce qu'on fait, qu'il y ait plus de personnes tournées vers la mer. Je remercie la région Guadeloupe d'être partenaire du projet et je leur donne rendez-vous à l'arrivée et j'espère bien placé pour qu'on puisse faire une belle fête.